18 septembre 1931. Le cadavre d'Angela Raubal est retrouvé dans un appartement de Munich. La jeune femme de 23 ans s'est tiré une balle dans la poitrine avec le pistolet de son oncle. Cet oncle n'est autre qu'Adolf Hitler, dirigeant du Parti national-socialiste, alors en pleine ascension. Un drame qui risque de briser la carrière de l'homme politique le plus ambitieux d'Allemagne.